Bonjour et bienvenue à ceux qui sont sur la rediffusion YouTube. Pensez au like s'il vous plaît. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait commencé le jeu et c'était un peu compliqué parce qu'on s'était, s'était pris un petit fail, hein, n'est-ce pas? Un petit fail, c'était pas facile. Allez, on est parti, j'espère que vous êtes chaud, en tout cas pour la suite, hein. J'espère que le challenge vous hype toujours. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le dur, hein. Je vous préviens, les mecs. Aujourd'hui, on va rentrer dans le dur. Ça doit être là, Chris Acier est perdu quelque part dans ces bois. La bande d'ectoplasma doit déjà être là. On doit se dépêcher. Véronique Sangobu, j'ai lu. Avec un petit simularbre. Qui. Eh bien, est là. Ce serait bien qu'on le recrute d'ailleurs, le simularbre. Ce serait bien qu'on le recrute. Hein. Ça serait bien qu'on le recrute, ouais. Et bah voilà. Il suffit de demander, les potes. On va l'appeler Jojo. Parce que voilà, je l'ai appelé Jojo dans PDM. Quand j'ai fait le SP, je l'ai appelé comme ça, donc. On reprend nos bonnes habitudes, quoi. GG, et merci, hein. Et merci. Du coup, le bois sinistre. Non, oui, c'est correct. Ah, par contre, il faut le garder avec nous jusqu'à la fin. Je ne mens pas, mais j'imite très bien les gens. D'accord, c'est cool. Ah non, c'est pas dernier. Ah merde. Ah si, voilà. Ça fait longtemps qu'on marche dans cette forêt. Je me demande si on va trouver Chris Acier. Pas un geste. Et qu'est-ce qu'il va trouver Chris Acier en premier? C'est nous. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser continuer. Hein. Quoi? Ectoplasma! Toujours en travers de notre chemin. Oh, on t'a pas dit. Ça n'a rien de personnel. Nous voulons juste dominer le monde. La mère de Chunipan va nous donner une belle récompense. Et Chunipan va se joindre à nous. Nous nous rapprochons du but. Hey Kek, tu viens bousculer nos plans. Hein. Je suis désolé, mais la fête est finie. Comme Orelsan, c'est ça? Au revoir, Masta. Bah là, pour l'instant, on va lancer une Gravel Rush, du coup. Ok. Est-ce qu'il peut toucher par coup de boue, lui? En plus, dans la précision? Ah, putain. Deux PV. Ça va. Je pense qu'on va foutre uniquement éclair à Magnéti. Parce que voilà quoi. On va faire coup de boue sur Abo. Ouais. Ça sent pas bon du tout là. Ça ne sent pas bon du tout, 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 du tout. Ouais, ouais, mais bon. Putain, ça se joue à rien là. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais d'où? D'où tu fais ça? Mais non! Non! Mais non! Après, ceci dit, quand on réfléchit bien à ce qui s'est passé, on s'est pas repris un seul dégât. Depuis qu'on a mangé la Béoran. On s'est pas repris un seul dégât depuis qu'il a mangé la Béoran. On est d'accord. On est d'accord. Depuis qu'on a mangé la Béoran, on s'est pas repris un seul dégât. Donc en soi, c'est-à-dire qu'on serait resté au même stade, en fait. Vous validez ou pas? On autorise, alors. Allez, autoriser. Ouais. Bon, allez. De toute façon, j'aurais quand même gagné 100. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, quoi. Oui. Bon, bah voilà, ok. On autorise, alors.
Oui, oui, oui. Vous me paierez ça, n'oubliez pas. Ouais. Plus personne ne devrait nous gêner maintenant, alors retrouver Chris Acier. Excusez-moi. En plus, j'aurais refait tout le donjon parce que j'ai pas Safe State. Êtes-vous à ma recherche? De toute façon, Safe State, c'est de la triche, donc je l'aurais pas fait. Là. Tu dois être Chris Acier? Nous allons te ramener à la maison, je n'y pense qu'il était pour toi. Ouais. J'avais peur, alors j'ai fait la bande de ma coquille, puis j'ai attendu, attendu. Merci. Risette, c'est honteux. C'est super, content de te revoir, Chris Acier. Non, mais en soi, j'aurais pas perdu en fait. J'aurais pas perdu. Donc ça peut être décisif. Et merci aussi à vous, Master Lucas. Ok, go. Lucas, bonjour, aujourd'hui faisons de notre mieux à nouveau. Alors il me semble que l'histoire est déclenchée direct, il n'y a pas de mission entre eux. Ouais, voilà. Bonjour. Hein? Qui c'est la petite lettre? Est-ce bien ici la base de l'équipe Turphysique? Tout à fait. Tiens, une minute, ne serais-tu pas... Il faut l'aider, au secours. Hors de question, nous n'acceptons pas ce genre de mission. Il suffirait d'une rafale de vent pour l'aider, s'il te plaît. Je me souviens maintenant. Kotovol, nous t'avons vu sur la place Pokémon. Nous avons vu comment Tangalis s'est fait convaincre d'effectuer ce sauvetage. Oui, justement Tangalis... Il n'est pas encore revenu de cette mission de sauvetage. C'est vrai? Notre ami Kotovol est resté coincé entre des rochers. Nous, les Kotovol, pouvons aller où nous voulons s'il y a du vent, mais... Même si le ciel est rempli de nuages orageux, pour une raison inexplicable, le vent ne souffle pas. Pas même une brise. Ça, c'est étrange. Les feux de Tangalis peuvent générer des vents puissants. Nous pensions que le vent de Tangalis serait capable de déloger notre ami, mais... Mais Tangalis n'est pas revenu. Ça me semble pourtant pas être une mission très ardue. C'est étrange. Oh! Je n'ai pas besoin de te demander, Lucas. Ton expression me dit qu'on est d'accord. Alors d'accord, on va aller les chercher. Vraiment? Merci à vous. Pas de problème, tu peux compter sur nous, hein. Waouh, ce précipice est profond. L'ami Kotovol est perdu au fin fond de ce ravin? Oui, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ça va aller. En route, Lucas. Attendez. Oui, qu'y a-t-il? Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Ce ravin est connu sous le nom de Voix Silencieux, mais... La rumeur court qu'un monstre incroyable y dormirait. Un monstre? Oui, mais... Ce n'est que du folklore. Mais bon, c'est vrai que Tangalis n'est pas revenu. J'ai pensé bon de vous informer. Aïe aïe aïe, mon estomac, j'ai mal. Oh, que se passe-t-il? C'est mon estomac, tout à coup j'ai des crampes, aïe aïe aïe. Mon petit déjeuner a du mal passé. Dis Lucas, toi aussi tu te sens mal, pas vrai? Lucas, ton estomac te fait mal, non? Non. Hein? C'est quoi ton problème, Lucas? Tu dois me soutenir. Nous sommes partenaires, quand même. Que t'arrives-t-il tout d'un coup, Masta? Tu n'as pas mal à l'estomac? Hein? Oui. Aïe, aïe, aïe. On dirait que la douleur diminue. Alors, tu as dit qu'il pouvait y avoir un monstre. À quoi ressemble-t-il? Je ne sais pas trop. C'est une vieille légende. Je ne sais pas s'il existe vraiment. D'accord. Eh bien, on n'a pas trop le choix. Espérons seulement que ce monstre n'existe pas. J'ai oublié le fake Malobidou. Comédie d'alerte. Mon ami Kotovol devrait se trouver à l'étage moins 10. S'il vous plaît, faites attention à vous. D'accord, bien reçu. Allons-y, Mouka. Mais là, il tient, en tout cas. C'est ici, n'est-ce pas? Je crois que c'est ici que l'ami de Kotovol est censé se trouver. Oh, oui. On vient te chercher, tu vas bien? Oui, je vais bien, mais... Génial! Ton ami t'attend. Tangalis est là, derrière. Ah oui, Tangalis. Allons-y. Oh, tu vas bien? Dis quelque chose. Ah, ne vous occupez pas de moi. Partez vite d'ici. Que... Quoi? Partir? Que se passe-t-il? Pourquoi il fait tout noir? Fait-il tout noir?
Gao. Il arrive. Écarte-toi de mon chemin. Celui-là a osé perturber mon sommeil. Je n'ai aucune pitié pour les gêneurs. Et ça vaut aussi pour vous. Gao. Tangalis a disparu. Je suis Elector, l'incarnation de la foudre. Si vous voulez sauver Tangalis, alors vous devrez escalader mon foudre. Gao. Elector. C'est donc lui, le monstre légendaire. Donc il y avait bien un monstre au Val Silencieux finalement. C'était pas une légende. Ouais, sauvé, je suis si heureux. Et Tangalis a des ennuis, lui. S'il te plaît, explique-nous que s'est-il passé exactement. Oui. Tangalis a fait du vent avec ses feuilles. Il m'a libéré d'entre les rochers. Mais ses vents ont coupé un nuage orageux en deux. Et à ce moment-là, un monstre est apparu dans le ciel. Ce monstre. Il a dit que son nom était Elector. Elector, tu dis? Alakazam. Elector. C'est l'un des autres Pokémon oiseaux légendaires. Il est censé être endormi depuis des lustres. C'est toi le monstre et les câbles best. Vous êtes pas gentil avec moi, monsieur? Alors Tangalis s'est réveillé? Non. Les vents de Tangalis n'ont été que le déclencheur. Pour commencer, l'absence de vent n'était pas normale. Cela a dû être causé par la récente série de catastrophes naturelles. Elector est furieux d'avoir été tiré de son sommeil. Tangalis doit être sauvé. Mais Elector ne veut pas être facile à vaincre. Ses attaques électriques sont brutales. Je sais cela. Nous devrons faire attention. On vient aussi. On vient aider Tangalis. Comment? C'est trop dangereux. Elector est très puissant. Beaucoup trop pour votre niveau de compétence. Hé, hey, on n'est pas si faible, hein. De plus, Elector ne nous fait pas peur. Pas vrai, Lucas? Ouais. Vous avez déjà ressenti les effets d'une décharge électrique? Elle vous laisse confus et tremblant. Pas de problème. Elector est incroyablement puissant. Il vous écrase vite fait. Vous vous sentez à la hauteur? Je n'ai pas peur. Nous aussi, on est une équipe de sauvetage. On veut porter secours à Tangalis. Bien. Je vois que vous avez du courage. Oui! Nos deux équipes devraient prendre des chemins séparés pour le Mont Foudre. Nous partirons quand nous serons équipés pour la bataille. Connaissant la puissance de notre adversaire, nous n'aurons pas d'autre choix que d'être prudents. N'allez au Mont Foudre que lorsque vos préparatifs seront terminés. Notre objectif est de sauver Tangalis. Nous devons réussir. Oui, tout cela m'excite beaucoup. Ok. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais bon. Lucas, faisons du mieux que nous pouvons. C'est le pied du Mont Foudre. Je me demande si l'équipe de la case est déjà en route. Elector, cela semble très difficile. J'en tremble. Je ne peux pas me permettre d'avoir peur. Notre objectif est simple, on doit sauver Tangalis. Lucas, faisons notre maximum. Ça va. Quoi? Mais d'où tu fais aussi mal avec Flamèche, toi? C'est quoi, cette arnaque? Ouais. Bah. En fait, vous savez, le prank, y a pas d'escalier. Excusez-moi.
Excusez-moi. Mais c'est pas possible. Putain. C'est le sommet. Oh, et Lector, où es-tu? Nous sommes ici pour secourir Tangalis, montre-toi. Ouah. Vous n'auriez pas dû venir foudre ici, mais ça va le faire, Monsieur Best, merci. On verra. Restons calmes. Il ne me fait pas peur. Elector, relâche Tangalis. Nous sommes une équipe de secours. Tu as l'air de savoir ce que tu veux. Vous allez devoir affronter ma fureur sans nom. Pas très efficace ici. Ah ouais? C'est nul alors. C'est pas très efficace ici. Pourquoi? Est-ce que c'est un boss, c'est ça? Ah ouais. Est-ce que coup de boue ça marche en vrai? Ah non. Ah, c'est dommage ça. Ok. Est-ce que coup de boue ça marche du coup? Ok, ça marche, c'est bon. Mais regardez ce même brouillard aussi. Yes. Gao. Que se passe-t-il? Merci. Tu en veux encore? Cette fois, je suis ton adversaire. Tranquillou. Ouais, finalement, ça va. J'ai plutôt bien géré. Assez. Arrêtons le combat. Je m'avoue vaincu. Vous pouvez emmener Tangalis. Vous vous débrouillez bien pour de ces petits Pokémon. Vous m'avez impressionné. Mais les choses ne seront pas toujours aussi faciles. La prochaine fois, je me battrai sérieusement. Vous n'aurez aucune chance. En mode là, il était pas sérieux quoi. D'ici là, vous ferez bien de vous entraîner. Regarde, voilà Tangalis. Tu vas bien? Ouais. Plus ou moins. Quel plaisir de te revoir sain et sauf. Mais j'ai été très surpris. Expédier les lecteurs comme ça. Je suis d'accord. Tu es vraiment balèze pour un simple gobou. J'ai lu, tu es vraiment balèze pour un simple son de gobou. Je l'ai senti lors de notre première rencontre. Peut-être. Tu n'es pas un Pokémon, n'est-ce pas? Oh, comment peux-tu dire ça? Mais tu as raison. Lucas n'est pas un Pokémon. Lucas est un humain. Quoi? Un humain? Est-ce possible? Une chose pareille peut-elle arriver? Lucas ne comprend pas plus que nous. Lucas a atterri ici un matin, en Pokémon. Et ne se souvient pas de son passé d'humain. Oh, attends. Lambré racontait quelque chose sur la place.
et racontait que Alakazam savait tout. Alakazam, sais-tu pourquoi Lucas est un Pokémon? Non. Je ne peux pas le déterminer. Oh, je pensais que tu saurais. Cependant, il existe un moyen de découvrir la vérité. Oh, vraiment? Lequel? Rendez-vous sur la colline des anciens. Là-bas, vous trouverez un Pokémon qui fixe le soleil toute la journée. Un Pokémon dont on dit qu'il peut lire l'avenir. Xatu est son nom. Il pourrait t'éclairer sur ton acolyte. Compris. On va aller voir Xatu alors. Lucas, allons-y. En route pour la colline de Masta. Il ne faut pas perdre de temps. Rentrons vite. Tangalis, toi aussi. Nous devons rentrer au plus vite. Ouais. On y va. Lucas! Allez, vite! Rentrons dans la maison. Alakazam, je te connais. Je ne te crois pas aussi ignorant que tu le laisses croire. Tu sais quelque chose, pas vrai? Quelque chose me préoccupe. Mais je préfère ne rien dire pour le moment. Pour leur bien. Ça commence à s'annoncer intéressant. Niveau scénario, je parle. Il n'y a pas de rêve, ok, très bien. Ok. Lucas, bonjour. Hier, j'ai fait quelques recherches. La colline des anciens est à la sortie du Grand Ravin. On devrait aller directement là-bas, au Grand Ravin. Hein? Ça va pas? Écoute, Masta. Hein? Pourquoi tant de gaieté? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi? Mais c'est évident, voyons. Tu fais pas ça pour toi. Tu l'as dit. Je ne fais pas ça pour moi, alors je m'applique beaucoup plus. Nous sommes amis, non, Lucas? Je vais faire de mon mieux pour toi, Lucas. Pour moi, c'est suffisant. Allez, donne notre maximum, comme d'habitude. C'est le Grand Ravin. Son sommet est appelé la Colline des Anciens. Et pour les intimes, c'est bien sûr la colline de Monsieur Masta. Selon la Kazam, la colline des anciens est à l'étage 13. Xatu devrait se trouver là-haut. Lucas, faisons de notre mieux. Raflesia. Bon, on a 3 sur lui, donc ça va. Ah, il a tenu le G-Pierre. Ah ouais. Il est résistant, y a pas à dire, il est résistant. Passeport, c'est pas où? Ouh là 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 là. Heureusement qu'on peut lancer des Graval Rush, hein. Ou quoi? Il a tenu? D'où il tient? En fait. Quel niveau 15? Bon, le champignon est un peu relou là. Encore toi? Ouais. On va laisser là. Mais arrête de miss! Catastrophe! Ouais, toi, allez. Voilà. Mais d'où? Ah non, ok. J'ai cru qu'il allait toucher par Asport avec le brouillard. Je me suis dit, mais quoi? Ouais, tiens, toi, viens là. Oh! Ouais! De quoi? Aromathérapie. Le compteur, quoi. Bien, vous allez tomber dans le Grand Ravin. Écoute, je suis en train de lutter pour pas tomber. Mais disons que la lutte est compliquée. Je suis tombé, voilà. Je suis tombé dans le Grand Ravin, voilà. Voilà. Il suffisait juste que je le dise pour que je tombe dedans. Comme un gros caca. Voilà. Ouais, non, ça ira, merci.
Bande d'enfoirés. C'est un peu triste, hein. il y aurait pas d'émission par hasard, là. Je vais voir Faramp. Laserglass. Wow. Laserglass, pour le coup, ça peut être intéressant. Je vais la prendre. Ceux qui sont sur YouTube, j'espère que le best-of vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et le commentaire, hein, ça fait toujours très plaisir. Du coup, pour YouTube, vous aurez la suite du best-of. Vous aurez la suite la semaine prochaine, hein, lundi ou mardi, ça dépend quel jour ça sort. Moi, je vous dis du coup à la prochaine. Ciao. Ciao.